Alors, on a la centrale carte ici avec le reine d'épée à l'envers. Donc là, il s'agit d'une femme d'un certain âge, certainement une veuve, qui n'est pas très sympathique. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle là. Et on a le valet de coupe qui est certainement un jeune homme qui se pose des questions en ce moment sur sa sexualité. Tu vois, il ne sait pas trop où il en est. Là, on a l'arbre. Donc l'arbre, il parle un petit peu de soucis, mais aussi des racines et de nos gènes, d'où on vient, de choses comme ça. On a aussi l'arbre qui parle de quelque chose qui est très long, qui est long à mûrir, on va dire. Dans le passé, on a beaucoup d'excès ici avec l'as de pique. Donc l'excès au niveau bouffe, excès au niveau alcool, excès au niveau de tous les niveaux. Tous les as ne sont pas toujours bons, on va dire, hein. Donc avec cet as d'épée ici, on parle d'excès. Dans le but ici, on a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, il y a beaucoup de controverses. Elle est à l'envers là. Beaucoup de controverses, beaucoup de discussions, de négociations. On a le vaisseau avec ça. Donc on parle de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Aussi, on parle de partir ou. On dirait qu'il y a. On est en pour parler de partir ou d'aller à l'aventure, quelque chose comme ça. Avec cette 5 de bâton à l'envers. Avec le vaisseau aussi, on pourrait parler d'import et export ou quelque chose comme ça. Des plans de mouvement, en tout cas. Avec le bateau. Ici, on a le 7 d'épée à l'envers, donc il y a beaucoup de réflexion. On est en train de réfléchir, et avec les oiseaux, on est en train aussi de communiquer, mais peut-être d'envoyer des textos, d'envoyer des lettres. On a aussi des mauvaises affaires, peut-être. Ou peut-être des revers passagers. De moquerie ou quelque chose comme ça, ou de calomnie. Quelqu'un qui essaye de faire quelque chose et ne pas se faire attraper ou se faire pardonner. Dans le proche futur, on a tempérance à l'envers. Donc elle dit qu'il n'y a pas d'alchimie. Il y a pas de. Ça ne colle pas. Il y a quelque chose qui. On essaye de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est en vain. Il y a plus rien qui coalugue, quoi, qui vient ensemble. On trouve pas cette alchimie qu'on devrait avoir. Et ici, on a le serpent. On va parler d'une femme qui est un peu médisante ou qui est. Cette femme, en fait, j'ai l'impression qu'elle veut vous mettre les bâtons dans les roues. Je vois pas qui ça peut être, cette femme médisante là. Ici, à la minute, on a la maison Dieu à l'envers. Donc, avec la maison Dieu à l'envers, c'est quelque chose qui est. Ça peut être une catastrophe naturelle ou une ruine, un château ou une vieille ferme ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui est en ruine. Et si on parle de l'affectif, c'est quelque chose qui a explosé et rien ne va plus.
Par contre, on a la clé avec ça. Donc, là, j'avoue que je ne vois pas bien ce que ça peut être parce que la clé, en général, c'est le succès. Mais bon, vu qu'elle est avec la maison Dieu à l'envers, j'ai envie de dire qu'il y a un petit peu de stagnation, de suspicion. Je ne sais pas ce que c'est que ces démarches. En tout cas, il y a une transition et il y a une nouvelle qui n'est vraiment pas favorable. Peut-être l'abandon, d'abandonner quelque chose. Comment les autres vous voient? Ben là, avec le 4 de denier, on a un mur. On va parler d'un muraille, peut-être un blocage au niveau de l'argent. Peut-être que on est en train de vous refuser de vous prêter de l'argent, on dirait. Il y a un blocage, en tout cas, il y a un muraille, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est par rapport au soleil. Donc, ce blocage, c'est par rapport à des nouvelles ou un projet pour aller au soleil. Il y a une nouvelle désagréable, en tout cas, au niveau de peut-être de cette mur ou de l'argent. Ici, dans les espoirs et dans les peurs et dans les espoirs, on a la justice. La justice, elle revient toujours la justice, elle va donner ce que vous méritez, d'accord? Donc, si vous avez été des bons petits gars, ben, vous allez avoir un bonbon. Et si vous avez été des méchants petits gars, ben, vous n'aurez pas de bonbon. c'est la justice. La justice, elle fonctionne comme ça. Donc, ça veut dire que si vous avez commis un délit, ben, vous allez aller en prison. Et la justice, c'est bête et méchant, quoi. Elle est couplée en plus avec la verge, avec le fouet. Donc, ça peut être... ça vous fait chier, en fait, ce qui arrive ici. C'est juste, mais c'est pas juste. C'est juste, mais c'est pas juste, ouais. Et ici, avec le 10 de coupe, les coupes, c'est plein d'émotions, c'est plein de joie. Et le 10 de coupe, c'est satisfaction. On a satisfaction ici, en ville, avec la ville. Et on a aussi l'ours avec ça. Donc, j'ai envie de dire que... Il va y avoir un succès dans cette finalement avec le justice ici au niveau de la j'ai envie de dire au niveau de la maison ou au niveau de la ville ou au niveau de là où vous habitez lorsque cette carte est à l'envers elle parle de colère mais là on parle de d'être heureux là où on est, d'être bien dans la ville où qu'on a choisi. Et l'ours, ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un qui est gros, ça peut être quelqu'un qui est poilu, ça peut être carrément l'ours lui-même. Mais j'ai envie de dire que l'ours, il dit qu'il va y avoir de la réussite dans une entreprise hasardeuse. Il faut avoir du courage, mais vous allez avoir du courage là et vous allez réussir dans cette chose que vous allez entreprendre au niveau de la. J'ai envie de dire que c'est au niveau de la famille et au niveau de la ville ou au niveau de l'habitation de votre maison ou de là où vous habitez. Oui, il va y avoir de la réussite par rapport à ça. Bien que ça va être difficile,
on va dire que ça se répète, quelque chose qui se répète. Ici, au niveau de cette lettre, il y a une lettre où il y a quelque chose ici. Avec le soleil et l'as de denier, ça va. Il y a de la bonne espoir, des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Méfiance, hein, je ne sais pas qui c'est cette femme-là. Cette femme d'un certain âge qui veuve. Elle ressort ici au niveau de la. Il n'y a pas d'alchimie avec elle. Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Elle est pas d'accord avec quelque chose. Voilà.